Jusqu'au XIIe siècle, se dressait ici un couvent et ses jardins. Ce n'est qu'en 1723 que la place Saint-Marc fut transformée en une majestueuse salle de bal pavée. Elle fut d'ailleurs qualifiée de « Salon du monde » par Musset. C'est au pied du campanile, construit en 900, que figure la justice, armée d'un glaive et d'une balance, emblème de Venise qui lui donna son surnom de Sérénissime. Autre symbole de Venise, face à la lagune, le lion ailé, censé tenir un livre ouvert en temps de paix, fermé en temps de guerre. La basilique Saint-Marc, ancienne chapelle privée du doge, est le sanctuaire où repose la dépouille de Saint-Marc. L'édifice actuel, consacré en 1094, prend pour modèle Sainte-Sophie de Constantinople, en croix grecque à cinq coupoles. Étonnant mélange d'orientalisme et de gothique. Juste à côté, le palais des Doges, étonnant bâtiment du XVIe siècle dont la lourde masse rose repose sur de frêles colonnes et lui donne une impression de légèreté. Autre lieu historique et gourmand du quartier Saint-Marc, hormis le célèbre Cipriani bien sûr, où le Carpaccio fut créé par Giuseppe, il y a le café Florian. On raconte que Casanova, après s'être échappé de prison, prit le temps d'aller y boire un chocolat afin de renouer avec l'art de vivre vénitien. Quittons la place Saint-Marc pour nous perdre dans les ruelles et sur les ponts de la Sérénissime. Elle se divise en six quartiers. Entre eux, coulent de petits canaux et un grand canal. La plus belle rue que je crois être en tout le monde, écrivait déjà Comines au XVe siècle. Longtemps, le pont du Rialto fut le seul à enjamber le Grand Canal et à relier entre elles les deux parties de la ville. Il fut constitué d'une seule arche pour laisser passer les galères. Sur cette artère principale, les embarcations circulent toute la journée. Il est 6 heures du matin sur le Grand Canal. Et déjà, on peut observer la course des barques chargées de victuailles multicolores qui viennent approvisionner le plus célèbre des marchés de Venise, celui du Rialto. Cœur économique de Venise, le Rialto fut de tout temps l'endroit où l'on vendait les épices, les tissus, le vin et les poissons. Nous sommes au Vecchio Fritoline, le restaurant d'Irina. Ici, c'est une cuisine traditionnelle qu'Irina défend. Et oui, il existe bien une véritable cuisine de Venise, loin des pièges à touristes du Rialto ou de la Strada Nuova. Une cuisine qui allie faste et simplicité, une cuisine rustique et raffinée. Raffinée car la fourchette fut inventée ici au XIe siècle, et rustique car il s'agit souvent d'une cuisine de marins ou de bateaux. Certains plats peuvent en effet se conserver plusieurs semaines. Alors ça c'est un plat typique, vous avez la polenta bianca, c'est du maïs blanc qui on va faire à Venise parce que c'est plus facile de mettre avec le poisson. Après vous avez des sardines,
avec les oignons, c'est la sardine in saor. Et c'est typique, c'était pour aller, quand les pêcheurs allaient, ça va faire beaucoup de jours. On peut aller dans la mer beaucoup de jours et ça, c'est toujours bien. Et après, on a le bacala mantecato, que c'est la, je ne sais pas comment on dit en français, la morue ou la brandade, je ne sais pas. Et ça, c'est découvert par un Vénitien qui s'appelle Capitano Giovanni Querini dans le 1528. Il est allé avec son bateau et il a découvert les îles de la Lofoten dans la Norvège. Découvrir ça et là les traditions vénitiennes, celle du masque par exemple, encore bien vivace aujourd'hui. Le masque qui accompagne les Vénitiens lors de leur carnaval, mais qui permettait à l'origine de se protéger de la peste. Il fut ensuite l'accessoire favori de la commedia dell'arte et du jeu de séduction féminin. Il y a 2 siècles, les Vénitiens sortaient masqués plus de 6 mois sur 12. Venise se donne évidemment au fil de son eau. Elle est soutenue par plus de 12 millions de pilotis, dont certains sont vieux de 1000 ans. Une véritable forêt de pieux, de chênes et de pins sous eau. Nous sommes sur le Grand Canal. Francesca Bortolotto Possati est l'héritière d'une des plus vieilles familles vénitiennes. Voilà, le palais où l'on va l'année où je suis née, finalement, je suis en train de restaurer, comme je venais de dire. Et c'est peut-être un des derniers palais restés des propriétés d'une famille seulement. C'est celle-là, ça s'appelle Palazzo Mocenigo, cette maison blanche avec les rideaux bleus. Ça, c'est un jardin coupé à l'italienne. Ça veut dire que c'est une façon de... un jardin où on ne vit pas tellement des beautés, plus que des lignes d'austérité. Et ça amène à la rue, puisqu'on a les 2 entrées. L'entrée, ça, ce sont des magnolias très, très anciens. Ils sont protégés, ils sont des exemples incroyables. Et voilà, et on sort de nouveau dans la rue. On a les 2 possibilités d'aller. Et ça, c'est tous les grands palais, palais de Mocenigo. Extraordinaire lieu que ce palais du XVIe siècle et une entreprise presque pharaonique de restauration commencée en 2000. Plus de 1000 mètres carrés d'espace sur 4 niveaux, un patrimoine historique rare, même pour Venise. Suivons donc Alessandro, Elisabeth et Anna. Ils nous emmènent faire la tournée des bars pour goûter un peu à la vie nocturne vénitienne. Ti ho portato l'anello che... Come Cicchetti? Tu vuoi qualcosa? Tu vuoi qualcosa come Cicchetti?
no, grazie. Come no? Sì, dimmi una cosa. No, no. Oh oui, oui, un petit plat de chicchetti avec des fleurs de courgette, des calamars, des boules de mozzarella, les boules de viande, le pain à la morue, des œufs et des sardines. Moi, je veux un peu de tout. Ciao, ciao. Ciao. Cosa ti fa? Ma dica la bottale sola. Alors, on est en train de boire un apéritif. En fait, mes amis, ils boivent deux ombras. Ombra, en fait, c'est un verre de vin rouge. En ces cas, c'est du cabernet, je pense, c'est du cabernet. Et du cabernet franc. En fait, on l'appelle ombra parce que les vendeurs de vin se plaçaient sous le campanile de Saint-Marc, sous le clocher de Saint-Marc, sous la place Saint-Marc, et ils déplaçaient, en fait, leur kiosque à vin, leur petit bar à vin, en fait, en suivant l'ombre pendant la journée. Et donc, l'ombre du clocher, bien sûr. Et donc, en fait, les gens qui allaient boire, on disait, ils disaient, on va boire à l'ombre. Et on va boire à l'ombre, c'est devenu tout simplement, on va boire l'ombre, une ombre. Et l'ombre, c'est resté le vin, en fait, le vin rouge avec ces petits verres, en fait. Par contre, moi, je bois mon spritz. Spritz, c'est un apéritif typiquement vénitien qui est fait, en fait, avec du vin blanc. C'est celui-ci. Regarde. Il est orange parce qu'il est à l'apérol. Comment on peut dire apérol, en fait, c'est... L'apérol, on s'en parle. C'est comme du Campari. C'est comme du Campari, mais c'est doux, c'est pas très fort. On en boit souvent plusieurs, deux ou trois. Hein. Il faut faire attention. Voilà. Et normalement, quand on fait ça, en fait, on ne s'arrête pas seulement dans un bar. Hein. On continue surtout. Ce soir, c'est samedi soir, donc on en fait deux, trois. Et donc, après, on dîne presque, disons, avec ça. Voilà. Ah, bene, un paio di polpette. Un paio di polpette di tonno. E perché non ti mangi così? Un cicchetto bisogna che sia. Però io non si ha che si ha problema. La 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 la. Offrite. La 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 la.